Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi pendant la Ligue Osiris, c'est jour de pronostic. On va continuer de désintégrer ce store déjà bien vidé. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez tous les infos, les guides, les tips, les tutos et même les pronos jusqu'à la dernière seconde le samedi, tout est sur le Discord les amis. Donc le store est déjà pas mal plié, normalement si vous avez suivi mes paris, vous avez au moins 30 000 auric à ce stade si vous n'avez encore rien dépensé dans le magasin et vous devriez être, alors on a eu chaud hein, la semaine dernière au niveau du domaine d'Anubis à 136 pièces investies dans les 60 GT, je rajoute tout de suite 2 ce qui fait x4 et donc on passe à 144, que ferions-nous avec ces 144 pièces, il restera encore la finale si les 60 GT viennent à gagner, regardons bien, 144 pièces. 5 sculptures de commandant légendaire à 15 l'unité, ça fait 75. Donc on est plutôt pas mal, il nous resterait 69 pièces. Ces 69 pièces, on en prend 40 ici, il nous en reste 29 encore en prenant le coffre de choix de matériaux d'équipement. 29 pièces, on pourrait acheter 2 coffres comme ça et 3 coffres comme celui-là. Un niveau 2 niveau épique hein, et 3 niveaux standard. Je pense qu'on va encore attendre hein, et on devrait pouvoir prendre tous les coffres de matériaux d'équipement niveau épique hein, ou presque. Après, vous pouvez prendre des clans d'or si vous préférez. Sachant que la cible, hein, c'est les sculptures de commandant légendaire et les coffres de matériaux d'équipement légendaire. Évidemment, au niveau des 30 000 auriques, alors là, vous avez le choix à présent. Je vous laisse le choix. En tout cas, faites bien comme vous voulez. Vous pouvez déjà acheter les sculptures de commandant, ça ferait 7500. Après, vous pourriez décider de prendre un petit peu plus, hein, de prendre par exemple les clés en or, ça vous ferait 3000. Les sculptures de lumière, ça vous ferait 2500. Les restaurations avancées de points d'action x10 également, ça peut être pas mal, ça fait 2000. Moi, je ne vais rien prendre à ce stade et je vais tout réinvestir. Pourquoi ? Parce que c'est pas 5 sculptures légendaires qui vont changer quelque chose à mon compte à ce stade. Donc, et puis, même si on perd, hein, on se retrouve avec la moitié. Si on perd tout, on se retrouvera avec 15 000 auric. Je peux toujours acheter les 5 sculptures. J'en ai que pour 7 500. Donc, moi, je vais tout miser. Après, adapter en fonction de la somme que vous possédez. Au niveau des mises en ligue, alors là, on est plus limité. Il n'y a que 2 matchs, hein, par évidemment, c'est les demi-finales. 2 matchs par domaine et il y a des très très grosses contre-cotes. Et vu qu'on a diminué le nombre de matchs, on va pouvoir s'attarder sur la situation des royaumes sur lesquels on va parier. On l'a vu par exemple, hein, la situation en KVK du DFCK la semaine dernière a malgré tout fait en sorte qu'il soit mis en difficulté et qu'il soit sorti d'ailleurs. Les 1v face aux 93T, premier choc, ça pourrait être une très grosse finale, même si la grosse finale serait, regardez en diagonale, les 1v face aux JST. Les deux sont ultra favoris, mais intéressons-nous aux 1v. Les 1v ont mis plutôt une correction à tout le monde. Le 17-18 a bien joué, le 93L a très bien joué, le 93T c'est la grosse alliance hein, du 93, les 93T sont des énormissimes joueurs, je voulais cliquer dessus pour qu'ils nous donnent plus de détails, mais non, les 1V, il n'y a plus à le présenter, ils sont les 1V à ma connaissance, si je ne dis pas de bêtises, ils sont invaincus en Osiris, ils sont vraiment super fort en Osiris, c'est vraiment en KVK autant ils se font éclater, autant en Osiris ils sont extrêmement puissants et stratèges. Les 93T, est-ce qu'ils peuvent gagner? Les 93T sont très doués également, ils sont extrêmement forts. Ils ont été battus mais pas à plate couture, ils ont été battus bien sèchement par les GST, regardez 39 000 à 28 000, mais ce n'était pas une correction non plus. Est-ce qu'ils ont une chance de gagner?
Je ne pense pas. Je dirais franchement, je les aime beaucoup les 93T, hein, mais je dirais ils ont moins de 10% de chances de gagner ce match. Moins de 5%. Donc pour le moment, on ne fait pas de pari en contre-cote. On pourra en faire un après. Hein. On aurait un ratio de fois, plus de fois 25, ça serait énorme. Pour 1000 mi, on prendrait 25 000. C'est parce que c'est très risqué et très peu probable. Deuxième match. Donc pour le moment, on touche à rien. Deuxième match, 84 OF face au JST. Alors, les 84 OF sont très forts. Très, très bons en termes de puissance totale. 3 milliards 640 000 d'un côté, 140 millions d'un côté, 3 milliards 775 millions du côté des JST. Les JST ont gagné, pas facilement, mais plutôt largement contre les 93T, encore plus largement contre les 419E. Mais regardez, face au 1188 qui était très très bon, hein, les JST ont eu plus de mal à faire des points. Ils ont réussi à limiter à 24 000 points aux adversaires, mais ils ont un peu plus galéré. De leur côté, les 84 OF, eux, ont baladé les LN93, le 1158, très bon le 1158 pourtant, et les Mimi. Les Mimi qui est l'une des plus grosses alliances en puissance affichée, en team, en roadster plutôt, parce qu'ils étaient à plus de 6 milliards. Donc les 84 OF ont vraiment fait un match énorme. Est-ce que les 84 OF peuvent gagner ce match? Ça serait une grosse surprise. Mais les JST ne sont très loin d'être invaincus. Hein. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose à faire ici. On va déjà positionner un premier pari de 100 et on récupère, tac, puisque j'ai fait ma mise en ligue, en ligne, oh non, mon pari en ligue, donc c'est bon. Je récupère la somme, les petits 100 ori. On va sur le deuxième domaine à présent, le domaine d'Anubis. Les 1-E-E-8 à 0-77. Là aussi, c'est du très gros match. Alors oui, hein, on a les paris intermédiaires, mais c'est tellement peu rentable qu'on s'en fout. Les 1-E-E-8 face au AO-77. Les 1-E-E-8, ils nous ont bien mis la semaine dernière. On s'est bien blindé grâce à eux. D'ailleurs, regardez, normalement, si vous avez raté le détail, c'est le moment de vous le montrer. Les 1-E-E-8, ils nous ont quand même rapporté 11 000 oric, la moitié de ce qu'on avait mis, autant dire 6 000 oric. On a mis 6 000, ils nous ont rapporté 6 000. Les AO77 également, hein, on a mis 2 000, ils nous ont rapporté 5 000. Les 65 AC, 2 000, 5 000 également. Et les 84 OF, 1 500 et presque 4 000. C'est eux la plus grosse cote qui nous ont rapporté le plus. Donc, retournons donc sur les paris du domaine d'Anubis, les 1-E-E-8. Face au AO77, les deux nous ont mis bien. Est-ce que les 1-E-E-8 peuvent gagner ce match, sachant qu'ils sont les favoris, mais c'est plutôt une cote équilibrée. Hein. Les 1-E-E-8, à mon avis, quand je vois le parcours qu'ils ont fait, ils ont sorti des GV77. Les 1-E-E-8 devraient gagner ce match, selon moi. Les AO77, j'estime, allez, 20%, 25% peut-être leur chance de gagner, donc on n'ira pas sur cette cote. On va s'intéresser au match juste en dessous, qui est là pour le coup, une finale avant l'heure. Les 60 GT, les énormes 60 GT avec leur roadster à plus de 5 milliards face aux impressionnants WIB. Alors là, les WIB, ils ont fait une dinguerie sur cette ligue, sur cette saison 7. Je les ai suivis longtemps. Je pense que c'est la saison où les WIB sont le plus fort. Ils ont longtemps eu des légers problèmes qui leur coûtaient la victoire en Ligue Osiris. Mais là, je ne le souhaite pas, hein, parce qu'en WIB pour le talent, on a tout mis sur les 60 GT. Mais les WIB peuvent nous surprendre. Les WIB peuvent gagner ce match. Et franchement, regardez, ils ont sorti les 62 DG. Alors les 62 DG, ils sont éclatés, il n'y a pas de souci. Mais ils ont sorti les 60 MX. Les 60 MX ne plaisantent pas du tout. Ils leur ont mis 11 000 points. Ils ont sorti les Sin 7. Ils leur ont mis 9 000 points. Les 60 GT de leur côté, regardez. Face au R75, il n'y avait pas débat. Face au WA49, c'est pas si écrasant de ça et que ça. Et face au K244, c'était extrêmement chaud. Et les WIB, je pense, sont plus puissants que les K244, plus stratège et meilleurs. Donc là, même si pour gagner les sculptures d'œil pour le talent, je souhaite que les 60 GT gagnent, franchement, je pense
que les Weeb ont une très très grosse carte à jouer sur ce tour-là. Passons au domaine de Bastet. On reviendra sur les matchs, évidemment. F84D face au SW. Là, encore une fois, c'est un gros choc. Les F84D ont sorti à la surprise générale ou quasi générale les FCK. La cote était de x6 ou x7, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. C'était énorme. Les F84D ont éclaté les NE01 qui n'ont pas joué le match. C'est dommage parce qu'ils étaient bons, les NE01. Les 73CG, pareil, se sont fait exploser. Les SW, eux, ont éclaté les OWR et les N134, mais ils ont plutôt eu du mal face aux D91R. Disons que le début de la partie était compliqué pour eux. On se retrouve avec les SW avec un roster à pratiquement 6 milliards, 5 milliards 9, hein, un tout petit peu derrière. Les Mimi, le F84D, seulement 3 milliards 297 millions, donc on dire 3 milliards 3. La cote est très nettement en faveur des SW. Je pense que les F84D peuvent gagner. Pourquoi ? Les F84D jouent extrêmement bien, ils ont une très bonne stratégie. C'est le cas aussi des SW, mais les SW, depuis toujours, ils perdent en Ligue Osiris. Parce que justement, un excès de confiance. Est-ce que cette saison, ça sera différent ? Cette saison, ils peuvent gagner et il y aura un choc face aux 89 CG s'ils venaient à gagner. Mais on va quand même prendre le pari de la contre-cote hein, sur les F84D. De toute façon, il faut prendre des risques. On est là pour ça. Ensuite, on a le 24-89 face au 24-89. Un roadster à 5 milliards 4 face à 2 milliards 8. Franchement, les 89N sont bons. Hein. Les 89N ont sorti le 89NR. Ils ont sorti les 89VC. Franchement, le 24-89, c'est un royaume de ouf. Et les 89CG, eux, sont vraiment très forts. Ils ont frôlé la petite correction face au 88VH. Hein. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Dommage pour les 88VH qui étaient très bons. Mais encore une fois, les 89CG l'ont emporté. Là, je pense sans surprise qu'ils vont gagner ce match. On finit avec le dernier domaine. Donc normalement, hein, on est à un pari par domaine. Donc c'est très bien. Domaine de Sobek. 65 AC qui nous ont fait plaisir la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, 65 AC nous a fait plaisir. Ce qui n'est pas le cas évidemment des 06A qui ont perdu face aux 69F. Mais tant mieux pour eux. Retournons donc sur les 69F face aux 75DC et 65AC, W34, 65AC, regardons le détail. Ils sont bien en forme. Roadster 2,6 milliards, W34, bon, ce sont les ultra favoris de la division. 3 milliards 6, alors quand je vous dis que c'est les ultra favoris, si on regarde sur le domaine de Sobek, vous voyez, hein, ils sont très loin devant tout le monde en termes de pronostics. Sur œil, sur le talent, pour le talent. Donc, regardons les 65AC, leur parcours. Ils ont sorti largement les DNT4, ils ont sorti largement les L, ils ont sorti largement les O4BB. Les W34 ont éclaté tout le monde. Là-dessus, je ne prendrai pas le pari de parier justement en contre-cote ou juste quelques piécettes au cas où ça se déclenche. J'y crois peu, les W34 sont extrêmement forts. 69F face aux 75DC. Pareil, les 69F ont un beau parcours. Ils ont sorti largement tous leurs adversaires, sauf les derniers, où ça ne s'est joué que à 10 000 points, presque 11 000 points. Les 75DC, roadster à 3 milliards 100. De l'autre côté, 69F, 2 milliards 4. Les 75DC ont éclaté tout le monde. Il n'y a même pas eu de match pour les autres. Là, encore une fois, je pense que les 69F ne peuvent pas gagner. Mais pourquoi ne pas parier en contre-cote sur les domaines les plus jeunes comme Sobek, sur les ROM les plus jeunes comme celui-là ? Tout est possible. Alors, que fait-on maintenant ? Que renforce-t-on ? J'ai mis des 100, hein, donc forcément, il me reste quasiment mes 30 000, 29 403 auric. Franchement, les 93T... C'est peu probable, donc on ne met pas de somme, on parie pas. Les 84 OF, imaginez, ils gagnent, on fait quand même un petit x4.
ça fait plaisir. On peut tenter quelque chose. C'est chaud, hein, mais on peut tenter quelque chose. On peut tenter un petit 3000 déjà sur les 84 OM. De toute façon, on va tout mettre, hein. Donc, si un seul proc, on est bien. Les weebs, franchement, les weebs, on va mettre 5000 parce que les weebs, on croit en eux. Les weebs, c'est des oufs. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi ne battrait-il pas les 60 GT. Ça serait historique, mais pourquoi pas. F84D, allez, pareil. On va leur mettre un petit 5000 à ce stade et on va confirmer. On peut se dire, ils peuvent gagner. Ça se trouve, on va tout perdre. Hein. Attention, on ne parie, c'est des paris à très gros risque. Là, on ne parie que ce qu'on est prêt à perdre pour le coup. Hein. Parce que là, c'est encore une fois des paris extrêmement risqués. 1000 sur les 65 AC et pareil, 1000 sur les... Et il va nous rester 14000 sur les 69F. Attention encore une fois, le store est vidé à présent. Le game est fini. On ne parie que pour le fun. Donc ne pariez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je le redis, je le dis encore une fois. Attention, videz bien, prenez bien dans le store ce que vous avez besoin avant de faire ces paris. Allez, les 84F, on va les monter à 7000. C'est possible qu'ils gagnent. Allez, les gars, vous pouvez le faire. Le domaine d'Anubis, les weebs, on va les laisser à 5000. On prend 50000, hein, s'ils gagnent, ce serait quand même énorme. Les 84D, ils sont déjà à 5000. Allez, on va, il reste 10000. Ce qu'on va faire, on va monter à 8000 ici. C'est risqué, mais pourquoi pas. On va, est-ce qu'on renforce les 84F? On va renforcer les 84F à 10000. Allez, et pour le coup, on va mettre le reste sur les weebs. Allez, les weebs peuvent le faire. Ils vont tout donner de toute façon. Ça serait tellement énorme. Voilà. Voilà les paris cette semaine, les amis. Attention, ne pariez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez le temps de vider le store. 10 000 sur les 84 OF. 9 903 sur les WIB. Domaine de Bastet, 8 000 sur les F84D. Et après, Sobek, 1000 et 1000. Qu'est-ce qui se passe si on gagne? C'est simple. Les 10 000 sur les 84 OF, ça va faire un x4. On prendra 10 000 plus 40 000. On récupère 50 000 si ça venait à gagner. Un seul pari gagné et on a rentabilisé évidemment. Les 60 GT, s'ils perdent face au WIB, ça serait une dinguerie. On a mis 9 900, on récupérerait notre mise plus environ 100 000. Domaine de Bastet, F84D, s'ils viennent à gagner, les 8000 se transformeraient en, allez, que je dise pas de bêtises, on est un peu plus loin, on est à peu près sur un x4, hein. On récupère 8000, on récupère 32000 en plus, donc au total, on récupère 40000, c'est le plus petit gain qu'on ferait. Sobek, les 1000 là deviendraient, bah là, ça deviendrait un truc de dingue, parce que les 1000, ils ont un gros ratio, on récupérerait un 15, on récupérerait un 15000. Et là, c'est le plus petit gain. On récupérerait un 10 000 sur les 69F. Voilà pour les paris cette semaine, les amis. On croise les doigts, on investit, on fait tout pour maximiser les gains à fond. J'espère que ça va proc. On s'en fout, on a vidé le store, on s'amuse. Si vous êtes dans une dinguerie comme moi, n'hésitez pas à suivre les paris. Sinon, encore une fois, prenez le temps de vider le store. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour les pronostics cette semaine et pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on va se blindax au maximum, bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.